parce que nous sommes un collectif, nous sommes tous un collectif. Certains compléments peuvent être pris en tant que même. L'absence de Yusufa Bamba, il s'appuie à ça. Yusufa Bamba en déplacement. Il vient de déguerpir avec les prétendus lettres. Il tombe sur les militaires. Ils n'ont sans caille. Attendez, mais vous le direz. Comparer les prophéties canadiennes. Un homme le même. Hier, c'était une cinquantaine. Oui, je suis venu en bout là et notre nos membres qui sont dans la que nous avons diligenté déjà hier, nous avons aussi dans ces feuilletons. Alors, en venant ici, je lance un cri à toutes les parties en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme pour que le parti soit apaisé, s'apaise, et que le droit de toutes les parties seront défendus, observés, et que la justice va faire son travail. À la justice, c'est délibérer tous les mineurs qui seraient identifiés dans le groupe qui est ici, que l'on appelle les forces de progrès, et transférer ou déférer devant leur juge naturel. Parce que là, je viens de constater que depuis hier, la cour, si vous voulez, le tribunal, devait examiner ce cas et il, copresto, transférer ces mineurs à leur juge naturel. Il n'est pas vraiment bien indiqué que ces enfants, ces mineurs-là, s'ils sont effectivement identifiés, qu'ils puissent encore passer la nuit dans des amigos. Ou bien, non, ça, ce n'est pas faisable. Ça, ce n'est pas autorisé par la loi. Alors, j'implore, plutôt, je demande au tribunal de transférer de cet instant tous ces mineurs identifiés, les envoyer à leur juge naturel, d'autant plus que le tribunal se serait dessaisi de ces cas, des mineurs. Et donc, mon général, je crois que vous pouvez faire transmettre mon message, puisque l'audience se poursuit et nos observateurs qui sont dans la mission que j'ai diligentée au nom de la CNDH vont continuer, vont s'organiser pour nous faire rapport de chaque séance. Donc, je lance encore un cri. Pas de panique, pas d'agitation dans toutes les parties qui sont supposées être dans ce que l'on a essayé de vivre ces derniers temps. Voilà, et l'ordre doit régner, la paix en même temps. Les autorités doivent assurer, fera son travail, la CNDH va suivre
et va faire des recommandations aux autorités politico-judiciaires et administratives en tant qu'institution d'appui à la démocratie, institution indépendante de promotion et de protection des droits de l'homme sans discrimination aucune. Voilà, je suis content de constater qu'il y a une paix relative malgré les conditions dans lesquelles le procès se passe. Bon, c'est déjà un bon pas. Vraiment, nous allons suivre de près, de très très près. Voilà ce que je peux vous dire, mon général, et continuez à faire votre travail, celui d'assurer la paix, la tranquillité, au mieux des intérêts de l'État congolais et de son peuple. Voilà. Contrairement à tout ce que nous vivons au niveau des réseaux sociaux, et la vérité est qu'il y a eu beaucoup de confusion et je crois que nous allons y mettre un peu plus de lumière avec nos conseils, nos recommandations auprès de toutes ces autorités dont je parlais. Merci, mon général. Chef de la discipline Manda. Nani? Tumbakashala. Tumbakashala? Oui. Yeah. Ah, Tumbakashala. Il est chargé à discipline. Oui. Moussala n'a eu pas de la carte à groupe. La carte à groupe, Moussala n'a eu pas de la carte à groupe. Pour ça, c'est-à-dire. C'est-à-dire, ceux qui ont un côté les amis, nous sommes amis, nous sommes amis, après réunion, il se met au général. Il doit avoir une santé qui va discipliner. Si vous avez un tabou, il faut que vous ayez un message pour saluer. Bon, c'est là où on est, tout le temps, on a un mot, on a un mot, on a un mot, on a un mot. Ce qui est à Boye, à Sanik Beba, te plaît. À Tamboli, on a un mot, on a un mot. Tiens, ça va. Tous à la façon de monsieur à vous discipliner. On est face au tribunal, à Zoubou Kayeba. Façon où vous disciplinez la oui. Façon où vous disciplinez. Vous voyez, vous savez que non, les lots, ils ont commis mal dans le banc, ils ont la tête sur le banc. Jusqu'à le nouvel ordre, autre monde qui a commis un respect, les aux yeux du pays. Voilà les causes à la mabisou. Ce que vous exécutez, c'est que vous avez la bisou. Tout ce qui est en train de vous faire. Vous avez une équipe pour vous, vous avez. Vite le 31, qui nous voyait qui coucou mal
et même le Cameroun entier. Oui, dans un lac. Pourquoi m'a dit qu'on a avant de se faire un peu de pour la Boulevard Church. Oui. Aza communicateur, il y a un site qui a mis sur la caméra.
asalaki manchima et pas cordon à ma mouvement. Kakamene na ebiso kia, na biso na biso soki au salaire de discipline, et mi deni na mo discipline au bozo na nzana. Tant on fait cordon aïe, aïe naïe, na siège nationale. Ndenge pe makambo ya la police et au bout aïe, makanye, mais awa abaluke biso a l'oubia sa compatate pour kakachi. Ils en sont ma mansota nous qui le disent. Donc, il y a besoin des alliés siège national. Oui, à force. Quand nous, quand ils ont dépendu de la vie, oui. Ceux qui nous combattent, ça nous m'a bien à quand nous, quand nous, quand nous, quand nous, quand nous, quand nous, siège national. Siège. C'est quoi expliquer le tribunal? Il y a un combat qui n'a pas de caractère dans le domaine. Là, il y a un combat qui n'a pas de tout ça qui n'a pas de. Pour être là, il y a un message qui est là. Mais yo comment qui na awa na esika immeuble te ici immeuble bazo lobela na sala ki wana sala ki wana o comment ki wana ndenene isa na ndenene na oche expliquer ka tu comment ki d'abord place a bozo to comment ki isa na pour les voir tous la venir ya immeuble wa ya li bozo to mona ki la police ya pas terre na ba jeep na bango. La blindé n'a pas mon nom. Oui, tant que tu commis, tout le monde va pousser à partir. La blindé, maman, on le va qui déjà. T'as la prévenu Kalengi. Tant que tu commis, au moins là qui t'attend. Oui, la maman a dit. Au moins là qui est wapi. Il y a des bossos tant que tu commis à ma photo. Mais tout le monde y est façon filmé. Ils sont tous les systèmes et théologiques. Père oiseau filmé du second, dans mon cigata. Il y a peut-être un tout oiseau filmé du second, à l'équipe. Après, tant que comme il y a une mère, il y a un deuxième famille, il y a un mot dit un télémagica quand même. Tout c'est intéressant. Comment est-ce qu'il y a un télémagica? Par rapport à l'immeuble, il y a une distance à combien de mètres selon la position où il y a qui? Pour qualifier, ma mère, ma banana et ma maman. Moi, parce que les AKPP. Quand vous commandez les meubles, vous comptez qui n'appartient pas à l'école. On a la compta qui n'appartient pas parce que c'est une école qui pour la compta la vidéo pour la patouana pour la compta la simbate. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que bon, elle a dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les gens qui ont fait ça, ils ont dit que les. Bon, le col a été montré, mais moi qui puisse peut-être, maintenant, peut-être, était aux alliés de soins criminels. Il y a le lobby, vous avez qui est le président. Président lobby,
Il a dit que une fois est souvent d'ailleurs, une fois à l'UPL, et les temps en temps, on pourra s'en servir à ses services pour ses pairs. Il a dit hier, alors votre tribunal aura tout à l'heure entier les conséquences. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que peut-il nous dire lorsqu'il a été approché, il a été approché, pourquoi exactement?
C'est ça, monsieur Pokémon. Oui, à mon nom. À contre partie de 5 000 dollars. À part 5 000 dollars, vous pouvez vous faire un salaire, Nini. Il y en a un groupe de Naomi. C'est ça. 5 000 dollars, vous pouvez vous faire. Il y a une relation qui est 500 pour avoir un bon mot et vous avez un bon délai et vous avez un bon délai pour vous aider. Moussalo a baissé la kinga mbongo, yamana to kotaki la police et tout ça, il faut que vous soyez accompagné par mon délai à la bimisi bilo au Libanda, puis vous soyez de belle à mon mouquet, de tchama sa mère. Ok. Est-ce que tu dis à votre criminel s'il a été comme. La Kyoto, mon Dieu. Ngayi ou isa contacté ngate, ngama gambo na bangwa ke justice topa kinga na yeba ki a monte. Aïba proposé n'a pas de bongo, bouya, copa bongo, ça a envoyé des pisseaux, bongo et en gros, ton hasard a choix au bout de la terre. Alors, monsieur le président, il a vu les prévenus Kalengi, il a vu sur les lieux, sur Ovira, sur Ovira, devant l'immeuble Blue ou Camor Inter. Qu'est-ce qui a fait que ces dernières attire son attention. Alors je lui pose la question autrement. Est-ce qu'il confirme que le bâtonnier ou les prévenus Kalengi auraient appelé quelqu'un au téléphone pour dire qu'ils étaient là sur le boulevard Tchatchi? Est-ce que maintenant les prévenus auraient un bâtonnier à Benaki Mortupoil ou à Kemosa pour la déjà dans le boulevard Tchatchi? Il y a un édition qui est tout le monde qui comme pas trop mon compte à la salle à la foutine. Il n'a pas appelé par tchatcha. Il n'a pas policier mon bon à ce moment. Donc, elle est quand la photo. Il y a ça qui n'a pas un à ce qu'on a bisous. Est-ce que mon ami a son dénga? Il y a une question à me pousser ma cabo. Je vous explique. Expliquez pour ce trois jours. Est-ce que mon ami dénga a son dénga mon tour à l'oubli que vous apprenez? C'est bon. Bon, on a gardé sur le téléphone, bon, il y a un peu sur le invité. Alors, bon, on a eu un peu sur la Guinée et ça te dit, sur la Guinée n'a plus fait un tchat. Mais elle a bien un peu de temps à venir, il y a eu un peu de temps à venir. Est-ce que mon ami te dit, n'a pas tourné? Des questions. Et la tienne, au moins, avant de mettre. Ok. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, c'est la question aux prévenus qui nous disent ce qui leur avait été demandé, puisqu'il a dit au lieu qu'il a dit tout ça, tout le monde va policier, va au salon. Qu'est-ce que les policiers faisaient? Les policiers, tout le monde, ils sont déjà dans la porte à Kamoula, ils sont dans la carte, ils sont dans la ville, tout le monde est dans la ville, ils sont dans la ville, ils sont dans la porte. Alors, si vous pouvez, monsieur Pokémon, vous avez dit, au soir, comment vous avez dit? Non, non, comment vous avez dit? Vous avez dit que les portes sont les policiers, les gens qui sont là. Mais elles ont commis la moindre, elles ont commis le colo. Ah, bah comment? D'accord. Alors, tu veux voir les personnes qui sortaient les biens de l'immeuble. Est-ce qu'ils étaient, ce qu'il a dit, là, ils étaient nombreux. Est-ce qu'il peut aujourd'hui les identifier? Ils étaient comment? On va t'en parler. Ok, d'accord. Monsieur le président, est-ce que. Ozaki wana huissier à l'homme qui wana erni. Un huissier doué n'a évité. Monsieur le président, je voudrais demander au tribunal si vous pouvez autoriser à ce que les conseillers juridiques qui conduisaient la mission puissent être appelés à comparer devant votre tribunal. Autoriser. Après, il faut que ce soit la plénière de la Bissot. A foutre la Bissot, mais plus on a Bissot. Revenez, vous avez un avocat, il y a une salle malade. Et là, vous avez un cadeau de. Au tiers de discipline, la capitale tribunale. Et que ceux qui ont un cadeau de sa discipline, ils soient tribunaux, ils ont un cadeau de sa. Il faut prêcher, par exemple. Il faut que ça bateau, ça c'est malade. Ils ont un cadeau de respecter. Et quand il est là, et le monsieur Chantal. Passons. Qui d'autre? Jusque-là. Trois personnes. Merci. On va continuer.
Nous avions voulu faire un complément. La parole est encore ici. Et nous avons voulu faire un complément après la comparution. M. Lutumba, celui qui s'est présenté comme chargé de la discipline, il a dit quelque chose de très important que nous voulons souligner. Contrairement à ce qui était dit en passant, il a dit ce qui suit. Tokangaka Batouté. Il a dit ce qui suit. On n'arrête personne. Tokangaka Batouté. Dans notre audition interne, ce qui m'a à Sali et l'Opo Yamabe, dans la carte de l'organisation interne, la mission, Toye Bissakaba Moussousou, Osala Moussala Kingani Lilo, Osala Moussala Kingani Lilo, Oba Bengaka Corvée. Bazana Kacho mon côté, Malobi, tous à la canal ou pas, on a vu ce autopé Sakabato, Moussala et Koussala, pour remplir une tâche disciplinaire. Kokanga Motokotiana Kacho, il n'y a pas de cachot là-bas, il n'y a pas d'arrestation à l'extérieur pour venir placer là-bas. Il a insisté par rapport à l'ordre qui était trouvé là-bas, il a insisté en disant que c'est leur membre qui a eu des problèmes avec l'un de leurs collaborateurs. Et il était venu à temps sur avenue Isiro numéro 1. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui était dit par M. Tom. Votre honneur, notre qui vous a passé le micro. C'est le collectif. Et qui vous a vous personnellement passé le micro? Oui, maître. Remettez le micro à... Oh, maître. Oui, maître. Merci de la parole, monsieur le président, auguste membre du siège. Oui. J'aimerais bien apporter un complément, c'est par rapport à la question du ministère public, celle de savoir si le prévenu Ngandou a l'habitude d'accompagner l'exécution de décisions judiciaires. Monsieur le Président, j'aimerais bien faire observer au tribunal qu'à l'audience d'hier, bien entendu du cadre, concerne le plaintif d'audience, Ngandou dit ceci, qu'il n'a pas l'habitude d'accompagner les décisions judiciaires, mais plutôt à Salakaba coup de main. Ce qui veut dire autrement, étant chômeur, n'ayant pas de boulot, et quand il y a de l'aide, même quand il s'agit de déboucher le WC, ils le font quand il y a l'argent. Et il amène ce métier auprès de ces militants qui sont en train de souffrir. Vous les avez identifiés, monsieur le président, et vous connaissez bien leur niveau d'étude. Leur niveau d'étude a été étalé. Et encore que, monsieur le président, tout le PV que vous les opposez, ça a été conçu la nuit lors de leur arrestation, sans assistance, en violation même de la loi. Monsieur le Président, je m'en vais aussi à une dernière question. C'est celle de savoir, sur les liens, est-ce que avait-il vu, sur les liens d'exécution, avait-il vu monsieur le bâtonnier qu'on a beaucoup d'estime et monsieur Teddy Kachama? Et là, quand nous précise ceci, monsieur le président, qu'ils étaient dans leur footing. Et pendant ces footings, monsieur le président. Le tribunal veut vous laisser continuer, mais il y a l'impression que vous répétez mot à mot ce qu'a dit le prévenu. Donc nous amenons la précision. La précision, c'est dire. Ajoutez un plus, mais vous répétez pas. Il vient de cracher, il vient de sortir le groupe. Donc il ne veut pas que le renseignant leur donne les sous. Non, non, voilà pour donner les sous. S'il vous plaît. Il y a des endroits bien précis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En général, les tribunaux, vous avez d'entrée des jets. Maître, aidez-nous à bien faire notre travail. Évitons les réactions du maire. Tout humain sait réagir en fonction des humains. Et s'il faut laisser les. En commençant par le rapport, testé,
les instances qui me commandent, me dirigent, ont reçu de moi un rapport. Et qu'à ce rapport, il était annexé des pièces de procédure qui ont milité pour que je mette des policiers en train pour exécuter une décision judiciaire. Si peut-être ça n'avait pas été lu, qu'il me soit permis de répondre à cette question. Voilà, j'ai là deux pièces. Il y a deux réquisitions. La première émane de Edith Maître Chantal Massouda et associé officier public et ministériel, huissier de justice près la Cour d'appel de Kinshasa. Voilà. Et le dernier paragraphe dit ceci. Avant le référent au commandant de la Direction des Interventions en ligne, à Kinshasa, à sa beaucoup de mettre à notre disposition la force pour nous assister dans l'accomplissement des dépenses et des sous. Les dépenses seront énumérées bien avant. Il y a une deuxième pièce. C'est une édition au fait d'enquête. Elle est numéro 11, dans cette page 24 de l'auditorat supérieur de Kinshasa Gombe. Signée du colonel magistrat parfait Moutamoutou, qui m'assigne des tâches allant dans le sens. Alors si il m'est permis de faire la lecture de des tâches assignées par cette réquisition, récurrent le commandant Ligny. 1. Constater la présence des hommes en uniforme sur le lieu si haut indiqué. C'était avenue Ouvirale numéro 45 de la République de la Gombe. Rechercher et identifier les hommes en uniforme interférant dans la procédure engagée par Blue Development Connaissance. 3. Veiller à ce que ces hommes en uniforme n'interfèrent plus dans les procédures légales et régulières de cette dernière. 4. Rapport. 5. Conformité à la loi et rapport. Voilà, ce sont ces deux pièces-là qui ont milité pour que je signe un bulletin de service qui a mis mes hommes en mouvement pour exécuter ces tâches. D'accord, lieutenant maître, et il a répondu. Moi, je prenais une position allant dans le sens de regarder les tribunaux. D'accord. Allez-y, maître. Je voudrais que le général nous dise. Au-delà de deux réquisitions, avait-il vu une décision de justice ordonnant le décrépissement ou l'installation sur le lieu en question, ou c'était une instruction de l'IG? Micro. Allez, mon général. Merci de me redonner la parole. De m'abord, les pouvoirs et d'attribution. Et moi, en qualité d'officier policier, compétent en général, bien qu'étant général, de grade, je ne suis pas compétent. Il ne m'appartenait pas à moi de juger la pertinence de pièces des procédures qui avaient été déposées à mon office. Ça ne relève pas de mon pouvoir. Et deux, qu'ai-je fait quand j'ai reçu ces pièces? Et qu'est-ce que je fais d'habitude quand il m'est assigné des tâches pareilles? Parce que le dossier complet m'avait été présenté. Et le dossier complet est ici, avec moi. Mais puisque je ne suis pas compétent pour apprécier la valeur de pièces dont il parle, je ne sais pas répondre à cette question-là. Je me limite à mes compétences. Mais le dossier complet, là, je veux quand même, Jean-Louis pour dire, quand on dépose un dossier à mon office, j'ai un conseil juridique, j'ai un officier de renseignement hyper calé, j'ai des assistants, j'ai des officiers des opérations. Donc, la première tâche consiste à prendre connaissance du dossier,
à faire une enquête, une étude préalable de la faisabilité. Quand on a fini, je renvoie le même dossier à un cabinet privé. Je vais citer ici Maître Cyril Abiana, qui est quand même un avocat d'une bonne réputation, c'est tout ça. Je renvoie chez lui pour vérifier l'authenticité des pièces. C'est quand il donne son avis, après des centres faites, après avoir vérifié et qu'il me réponde que les pièces sont authentiques et qu'il y a lieu de déposer les actes. C'est seulement à ces deux conditions-là que je me permets de signer une pièce mettant en marche mes actes. Voilà. Donc, c'est le même exercice qui avait été fait. Tout avait été vérifié. Et je ne pouvais pas me comporter en rebelle pour ne pas exécuter de pièces de procédure de réquisition émanant d'une autorité compétente, judiciaire ou administrative. D'accord. Je leur réponds, maître. Continuez. Je suis très content. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, qu'il plaise à votre tribunal de demander à l'avocat la pertinence de cette question par rapport à la cause qui se trouve en examen devant votre tribunal. Oui, allez-y. Je ne comprends pas. Je comprends. Quelle est la pertinence de la question? Ah, mais nous, nous sommes en train de poser les questions aux renseignants. Nous l'avons demandé. C'est nous qui tirerons les conséquences. Et c'est pour éclore. Laissez-moi. Votre honneur, Votre honneur, je ne demande qu'on puisse d'abord résumer ma question. Je suis en train de dire ce qui suit. Nous vous supplions que le droit de la défense soit garanti. Que le ministère public ne fasse pas des objections sur nos questions. Il n'a pas une leçon à donner aux avocats de la défense qui est parti au procès, j'insiste et je le dis bien. Nous lui devons du respect comme magistrat, nous avons prêté serment devant le magistrat pour le respecter. Et l'avocat est partenaire de la justice. Sans l'avocat, le jugement sera caricaturé. Laissez-nous faire notre ministère. Je reviens encore une fois pour ma question. Si il avait mal compris, je l'ai dit, il est d'ordre opératif. C'est pour nous amener à démolir toutes vos accusations, personne avec ses responsabilités, afin de faire acquitter le client. Je le répète encore, mon général, qui est le commandant qui était chargé pour l'opération? Apparemment, l'observation que le tribunal vous avait faite pour vous. Je m'inclus votre honneur. On ne vous adresse pas directement au renseignant. Vous vous adressez au tribunal. Je m'inclus votre honneur. Voilà, je m'inclus votre honneur. Votre honneur, je reviens vers vous en disant que vous puissiez faire poser pour nous cette question au général. Le nom du commandant des opérations pour appuyer l'officier ministériel chargé d'installation de déguerpissement. Parce qu'il y a une confusion. Merci. Nombre d'engins roulants, nombre d'éléments, parce qu'il y avait beaucoup de policiers là-bas, chacun devait jouer son rôle, les effets qui étaient déguerpis, qui étaient tirés des bâtiments de tel niveau à tel niveau, était à la présence de tous ces policiers-là. C'est pourquoi nous posons la question de savoir combien d'éléments s'étaient amenés sur le lieu avec le commandant d'opération, engin et armes. Cette question. Bon, ça s'ajoute. Le rapport commandant en question après les événements du 31. Le tribunal vous remercie, mais le tribunal voudrait rappeler à l'intention de toutes les parties au procès. Vous devez aider le tribunal à délibérer dans le cadre du procès. Le droit pénal nous enseigne les infractions. Et le ministère public qui a amené le prévenu devant nous, dangereux.
c'est très dangereux d'aborder des questions que l'on ne maîtrise pas très bien. C'est très dangereux. C'est aussi très dangereux quand on confond une étape opérationnelle à un niveau de commandement opératif, tactique ou stratégique. C'est très dangereux. Parce que chaque terme missionnel, chaque terme opérationnel employé a des conséquences et une portée qui a un sens. Parce que quand on parle d'une question qui relève de l'opératif, alors que les faits qui sont produits, ce sont des faits de niveau élémentaire sur le plan du commandement, parce que le commandement a trois niveaux. Il y a le niveau stratégique, qui implique le gouvernement de la République, le chef de l'État. Et à ce niveau stratégique, il y a deux sous-niveaux. Pour le niveau stratégique, militaro ou sécurité stratégique, et le niveau opératif, suivi du niveau tactique, le dernier. Alors, les termes employés ici risquent de nous envoyer très loin hors de ces procès. Je voudrais que nous parlions de cette petite intervention qui n'a pas eu lieu, ça n'a même pas constitué un théâtre opérationnel. Donc si on peut rester dans ce cadre-là, pour nous limiter à une intervention de niveau élémentaire, d'une section ou file policière tactique qui intervienne tactiquement pour assister un huissier de justice. Ça ne relève uniquement ni du niveau opératif, ni du niveau tactique, ni du niveau stratégique. Maintenant, je vais répondre à la question. La mise en place, la mise en route, le choix de moyens, des hommes, des méthodes et des techniques relèvent de l'autorité policière qui a reçu la mission. Et pour faire ce choix, il y a des paramètres que nous intégrons dans l'analyse. L'environnement, les lieux dans lesquels on va intervenir, mais aussi les menaces en présence. Quand on parle de menaces, il y a une menace au contact, il y a des menaces ultérieures et des menaces futures. Les intentions, le volume, les attitudes, les intentions de ces gens-là, leur mode d'action, leur système d'alliance, pour comprendre quel est le centre de gravité sur lequel on doit appliquer les faits majeurs. Et savoir loin de ces procès. Donc pour répondre très facilement, et simplement à la question qui est posée, c'est une section policière. Une section, ça signifie une sorte de file de 10 éléments sous le commandement d'un chef de section, un chauffeur et un assistant qui assurait le commandement de cette opération, de cette intervention, et mon conseil juridique pour en assurer la procédure, le respect des procédures et des règles. Alors, si on dit déjà qu'il y avait beaucoup de policiers, je me permets déjà de sauter parce que ça vient déjà. Beaucoup de policiers sont venus quand? Parce que quand les hommes ont commencé à poser, à assister policiers, en passant, les policiers ne déguelpent pas. Donc ils n'avaient pas pour mission de déguelpir, ni en ce moment de se saisir de quoi que ce soit. La mission, c'est d'assister l'officier de justice à poser les actes de procédure. Alors, les surplus de policiers dont on parle viennent d'où? Parce que quand la mission a commencé, tout était calme. Jusqu'à ce que surgit un autre officier qui vient avec deux véhicules. Parce qu'on demande le moyen, la mobilité. La LENI engageait un seul véhicule. D'ailleurs, nous n'en avons pas assez. Un seul. Mais d'où sont venus les autres véhicules? Pendant que mes hommes étaient en train d'assister, de protéger Lucien, en train de poser ses actes, les craintes de l'auditeur supérieur, qui soupçonnait déjà la présence des hommes en uniforme et leur interférence dans la procédure, par plusieurs fois qu'il y a eu des tentatives de pouvoir installer le sujet qu'on devait installer, ces craintes-là se sont justifiées. En quoi? Parce qu'il y a eu,
pendant que la mission était en train d'être exécutée, il y a eu présence de notre officier, lieutenant-colonel de son rang, qui relève du commandement du commissariat provincial, qui vient avec ses hommes, avec deux véhicules, qui vient faire quoi? Entraver la procédure, empêcher au huissier de poser les actes et demander à mon dispositif de lever et de repartir au motif que la LENI n'aurait pas droit d'hésiter. Quand je reçois l'appel du major qui me met mon conseiller aujourd'hui, il me fait savoir ce qui se passait. Il me dit qu'il y avait un lieutenant-colonel qui avait deux véhicules montés, ça à bord desquels il y avait des éléments de la police, mais malheureusement qui ne relevait pas de mon commandement. Tout de suite, je dis, la zone est sensible. Et ce qu'il y a à faire, c'est vous désengager immédiatement. Et il y a des témoins. Je ne le cite pas ici, mais si c'est là pour la peine, pour les citer. Et quand mes hommes se désengagent, ce lieutenant-colonel de police qui est venu, c'est dans le luxe de procéder à l'interpellation et à l'arrestation du ciel de justice. Mais quelle était la mission nous assignée par la réquisition, la première? C'était à assister. C'est ce que je dirais, et récupérer le ciel de justice, lever les dispositifs, laisser ces colonels-là et ces hommes continuer. Et que le parti retourne aux instances pour en finir. Et là, mes hommes se sont désengagés. Quand mes hommes se désengagent, il n'y avait encore rien. Il n'y avait ni coup de balle, ni précipitation, parce que la seule personne soustraite, demain, du colonel qui venait d'arriver, seule là aussi, Madame Chantal. On l'a retiré de là. C'est quand mes hommes sont déjà à mon état-major. Pendant qu'ils me font le point de situation opérationnelle et la précision situationnelle, qu'on suit, n'est-ce pas? Je demande à mon garde du corps d'entrer dans le canal du commissariat provincial, qu'on entend les gens crier, voilà, ça tire de partout à la Gombe et qu'on sort, et on parle de la LENI. Voilà. Si ces éléments suffisent à votre question, je répète, c'est une section fusilière qui allait, des policiers montés sur un seul véhicule avec un major de police comme cordonné pour assurer le respect de la procédure. Ce qui s'est passé après le désengagement des maisons n'est pas connu de nous, parce que nous n'étions plus là. Pour nous permettre de polluer. J'ai reçu des informations de son conseil juridique. Ces éléments ont pris combien de temps pour quitter les lieux et quelle était la situation par rapport à tout ce que nous entendons, vol, destruction. Il a dit ceci. Apparemment, cette question n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Vous êtes enseignant, s'il vous plaît, mon général, les avocats sont des plaidaires et ils ont une tactique de plaidoirie et parfois ils invectivent. Alors, restez dans votre sentez-vous à l'aise, rien ne diminue ni n'augmente à vos fonctions. Vous êtes là. Vous servez la nation. Quand on a des photos, à la tribu, dans le centre, la tribu, au Bakoufa, Baïké, M. Soubaïba, Bakouté. Ok, tant que vous avez. Tant que vous avez, vous avez. Vous avez quand on a des photos, vous avez trouvé la musique. Il y a un immeuble Kamoul. Tant que vous avez des photos, la carte est en photo. Le président de la tribu, tout le monde est debout. Nous te écoutons, peut-être qu'on s'est retrouvé dans l'immeuble à Kaboul. Je vais proposer un bon moment pour nous.
président. Il y a encore un travail de salaki. Bon, ça vient au pain. Oui, de salaki. Ok. Yo, tombe la guinine. Là, Zalan, c'est ma présidente, Batinda qui va y aller. Là, tout est le même juste, la présidente. Yo, on s'y bagaille au hôtel. Maintenant, on s'en va, oui, président, ici, Bissoto tombe, là, tombe l'ipéto tchéouan. Mais Bissoto va y aller dans le wagon président. On a ma compte, ma collaborateur, c'est ça? Ouais. Ça va. Chidibi. Prenez-nous Chidibi. Non, mais... immeubles, Kakamoul, tu te remets la guité. Tu remets la guité parce que tant que tu es commis, on a tout le temps déjà que non. Service, bon, ça, la moussa, il y a un colo. Bon, tiens, on apporte. Bon, on a 4 immeubles, vous savez combien de temps? On a 4 immeubles, on a beaucoup de temps, on a ça. À part service, on a 4 immeubles. La police n'a pas de parquet. Service, ni. Il y a la police. Pour tout le monde, la police, la police, elle va contacter. Service, ni, elle est contacter. Bon, on a 4 immeubles. Banda vous salue Moussala, on vous dit que vous êtes là, vous êtes Moussala, vous êtes là, 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 appelle au nom de toi, ma pessimiste, mon et sa hour, tout qui est ça, coup de main, quelque part, hour, n'est pas tout pour moi ici, place. Côté la carte depuis quand? Depuis quand la présence? Oui, on a la carte, il y a un mouvement dans les années. Bon, la carte de mouvement dans un rare sage. Au passage. Conseil. Donc on a daté à le 31 juillet. Au Komaki, Liboso et à l'immeuble Kamoul Dengeni. Ah, on a bon. Bon. On a commandé. Mais on s'attendait qu'il ne peut même pas. Qu'il est au Kouma Kouma. Comme d'habitude, nous avons ceux qui. Les gens n'ont pas besoin de ils sont vraiment des gens du monde. On a bombé. Dans des gens du monde. Oh, yeah. Quand on descend, mais donc, tout ça, tout ça, dans le cadre du mouvement à force du progrès. Bon, nous avons habité de Rokendi. Donc, comme nous avons un moment, nous avons peut-être un Oya, ou ça, nous avons un clash, ou bien un mini. Assainissement. Assainissement, nous avons un bébé, et nous avons un foot à M. La date, le 31 juillet, voilà, vous serez trouvé dans le monde, n'est-ce pas? Donc, il y a un message. Nous avons fait la descente dans le monde. Mais il on s'est retrouvé dans le milieu, on a évité Tinder et Nino, comme on a retrouvé dans le milieu. On a 53 ans. On a 53 ans. Si vous avez un talon, on a eu un DG, Sekuna, Tina, mais on a eu un peu de c'est normal. On a vu comme d'habitude, tout le présenté de ça à Nini, là c'est Nini, tout ça à Nini, et tout n'a raté. Ça veut dire que tu as la descente. Moi, je suis trop molle. Tu sais, on comprend. Ah, c'est que moi, je suis molle, je ne veux pas. Toi, tu sais que tu es ok. Tu es pas. Non, on va dire. Donc, comme ça, on le voit la COP Nabino, c'est ça?
Je te dis, je suis là. Rôle dans la force du progrès,
NASA chargé il y a identificateur. Il y a identification. Il y a identification. La date est le 31 juillet. Aux Alagina, Baye Bayo, n'est-ce pas? Exact. Bon, Salina, Bango, Promenati, Bokani, Bafoto, Bokego, Soukirana, devant immeuble Kamoul, c'est ça? Exact, mais na immeuble Kamoul Inter, Tokenda Kamo indirectement. Oui, et là, on est même à Bino Kuna Bogenda Osai. Na édité, à part Kokanga Bafoto, na moni masse, Otozaki Nango, Kadisi Nangam, Pona Wokende Vert, Avenue Ezaki na immeuble, O Ezaki, O résidé immeuble. C'est pour cela que na landaki masse, on a pas Otozaki na Bango. Tango bokomi wana yo salaini na terre sur place. Na sala ki lorotin, on faisait qu'observer. Et on observa yini. Observa ki ke il y avait pas policier ebele. Na ba jeep na bango, na ba conteneur na bango ma ya moto. Et puis il y a un soudain moment jeep mususu ye à la police, na ba élément mususu à panthère, je ne sais pas. Et puis il y a eu chamaillement. Moi, une compréhension côté entre banques. Si on a chamaïma, on a bino koro et zalaki, on a bino bata fort de progrès. Bon, déplaçant, qui a moto, bon déplaçant. Pardon? Na chamaïma, on a yolo biwana. Bino ka force, bino ka zali banda. Yabatu, bon déplaçant, qui a moto, bon déplaçant. Bon. Sur ordre à la police, les baïques et les qui babiloko et zaki li bosso ya porte ya immeuble, les bâtiments on a 100 mètres. Bilo et bon maïte. Ok. Et puis, suite ya mes ententes et zaki entre baron et policier, tout qui ordre à président à Gusongan Kennedy de se retirer, de tout se retirer qui tout zongi nandilo et ça a gelé. Ok. Kamba Kalombo. Discipline. Chargé pour la motard. Chargé la motard. La date est le 31 juillet 2024. Vous allez arriver dans la promenade où le mouvement est organisé. Oui, vous allez arriver. Vous photo. Vous allez chuter dans le bosseur. Il y a même Cameroun, c'est ça? Oui. Il y a une ligne qui va. Yo personnellement rôle nini au joie qui mokolo wana tant que bo sali de centre. Bon, il y a qui wana rôle la bande joue les aka pona ka trika ba moto les aka na ko et bon ba te tous les actifs au bazar qui va déplacer vendre les aka la porte que tu as on la 5 mètres tu vas ici c'est ton nom mai na tu me la na to ka mai bonjour imbo parti. Oyo comme un bonan nous aimons monter là par ma bonne tamolati qu'on a la bonne. La bonne chance n'a pas besoin la soupe à l'épicine là. C'est quoi ma famille et les caïwana? Tant que vous allez qui voir. Yo, observez qui nous. Mon caca, la guerre d'esprit à te rassouder la basouda. T'as une gars civil, la zara, c'est une signe. T'as la zara arme, t'es bon, on va zara arme. Ok. Ngangu Mutu Joël. Présent. Je pose à membre de France du Progrès. Oui, la membre de France du Progrès. Depuis quand? Moi, quand elle a déjà la photo. Quand la moque, quand on peut se dire. Alors déjà, voilà. Chef Nabino, là. Rendons-nous le Kennedy Antibal. Antibal. Yorol Lignos en Katamoukou. Disciplinaire. Disciplinaire. Le 31 juillet aux Alaï, mais la descente. Oui, aux Alaï. Ligne les gars qui. Les gars, l'immeuble. Oui. L'immeuble est au commissaire de place, comme on a dit, il va policier. Là-bas, tu vas aller à la ville. Tu sais que tu as commis ton nom, c'est Abim, ça déjà dit. Les présidents, ils sont sur le bureau, on a vu ça. Ils ont vu la ville déjà pour le relâme, on va s'en mettre. Bon, ça va quand même être dans la 4 e mètre, on a quand même un camoufle. On va être tant pénalisé au quartier, on a tout ça là qui.
Na kata immeuble. Na kata immeuble to kota ite. Kota ite. OK. Ndumba Kachala. Yonde on s'est présenté comme un éco-communicateur, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah, d'ailleurs, on a mieux changé pour nous dire ce qui s'était passé. Alors, Yébisab Soilo, on est les cas na Gombe, na l'immeuble Cameroun Inter le 31 juillet. D'accord. Bon, en commençant d'abord, Toulaki, na avenue Bonnet Tchatch. Ça, le tribunal a déjà suivi. Oui, je vais poursuivre, je vais continuer. Allez-y. Zaki n'a pas un chachi, faisait des photos et des vidéos. Donc, nous avons même interviewé un interview Zaki, président Zimbabwe. Par après, il a reçu l'appel et on a descendu sur cette avenue. Alors, Kotambo, la Nabiso Kolomwa, Wana n'a venu chachi. Si Kokota n'a immeuble, n'a venu à immeuble Wana, bon, je ne connais pas les noms. J'ai filmé, n'a qu'à taille qu'on filme maintenant, allez, quand vous filmez. Tant que Zoya, vous voyez, devant nous, on voit déjà ce qui se passe là-bas. Tout le monde a déjà bossé la bison de Matamboli. Donc on voit le blindé, on voit les gens en train de faire sortir déjà des choses. Le meuble, l'anda, pour Batamou du Bosso. Donc pas très loin là, portail. Les gens là, qui faisaient sortir le meuble? De loin, je voyais la foule. Mais quand je suis approché, j'ai vu les agents de la police. Les agents de la police, qui ont M. Swazali, des parts et d'autres, et d'autres, et même si là. Parce que la vitre, au moins, j'ai tenu ce qu'il est dans la casse. Au moins. Et pendant ce temps, moi, j'étais en train de filmer. Et sur place, qu'est-ce qui s'est passé personnellement? Quel rôle vous avez joué par rapport à cette descente-là sur le lieu? Bon, je faisais toujours mon rôle. J'étais en train de filmer. De filmer. Ok. Vous n'aviez pas transporté quoi que ce soit, non, non, comme non. Les autres. Et ça a pris combien de temps comme ça, puisque c'est vous qui aviez. Un appareil adéquat pour faire le reportage. Ça s'est passé en combien de temps? Si je calcule bien, cela ne nous a pas pris pas plus de 45 minutes. 45 minutes. Pas plus de 45 minutes. Oui. Et arrivé sur place, vous avez trouvé la police. Qu'est-ce que vous ou les membres de votre mouvement ont eu à faire pendant ces 40 minutes? Voilà. Nous sommes arrivés là-bas. Et les agents de la police s'est approché pour dire que non, les combattants, il faut déplacer le matériel ici qui est devant la porte. D'abord, on a mis le béco, mais biloko est à la AAT, il faut être à 100 mètres. Le matériel en question, c'était des effets personnels. Non, c'était le meuble, il y a un peu de temps. Oui, l'effet abattu, il y a un fan dans les meubles, c'est ça. Bien sûr. Donc, pas déplacer un peu de temps devant leur portail. Parce qu'on a point à venir. Alors, d'autres combattants, Bazaki, on va nous déplacer en haut, mais partout était entouré, il y avait des policiers partout. Moi j'étais à côté, je filmais. Lorsque vous dites d'autres combattants sont en train de déplacer les effets, parmi ceux qui sont ici, qui sont ceux qui étaient chargés de ce mouvement de déplacement des effets? On est là. Attendez, vous filmiez. Koumbaka Chaladi, lui c'est indiscipliné, il était là en train de se réveiller. Qui faisait cette activité de manutention comme vous l'avez dit autrefois, parmi ceux qui sont présents? On a nos jeunes gens, genre lui, il était lui, là. Lui, mais qui, il faut le citer, vous, lui, c'est Donatien. Pardon? Donatien. Donatien. Donatien, il était là. Attendez. Moussem et Donatien. Oui. Loko yo memaki nini. Yo o memaki nini. C'est simple, non? Yo memaki ba mesa la ba TV. Mesa botombo la ki yo nanani. Nani moussous, on deyo ya yo Donatien. Nani moussous memaki. Parce que nous avons une équipe de l'outil de Binza, auquel on a une photo, Bozongi, yo Bozaïke. Alors, le Baïki, 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 le
Le quoi, bah, Kiti, au même moment, mon côté. Ah, à part les yeux, Nanga, nous nous sommes assis, nous sommes là. T'as la bien. Yo, mais ma guinée. C'est actuellement la fin de l'eau, le mouvement qui place à les aigas à grand. Non, ma blou. Yo, comme vous l'avez. Nous sommes de l'ancien Daniel. Nous sommes de l'ancien Daniel. Bon, yo, comme vous Kabamba, yo, mais ma guinée. Parce que c'est avec ça que je travaille. Avec ça, quand je filme, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. Alors j'étais concentré sur ce que je faisais. À travers ces appareils, ça peut vraiment éclaircir tout. Vous n'avez pas suivi ce que les tribunaux vous avaient dit hier apparemment. Les appareils que vous êtes en train d'utiliser ont été saisis à le parquet. Ça fait partie des objets saisis. On peut se rappeler. On va arriver à l'étape où on va rendre notre jugement. Et si les tribunaux se rendent compte que vous n'y êtes pour rien, on va ordonner que ces appareils vous soient restitués. Non, ça, c'est pas seulement ça mon souci. C'est. Dans les drones ? Non, pas dans les drones, on ne dit pas les drones. Pour... Et les images, sont où ? Il y avait le caméra et mon téléphone. Le caméra, il est où ? Ceux-là qui étaient venus nous prendre là-bas, ils ont tout pris dans notre bureau de la police. La caméra, excusez-nous. C'était Lumix et Canon. Canon. C'est-à-dire, et si c'était saisi, nous. Nous nous contentons des objets que le parquet nous a amenés. Pour l'occupation à l'économie. Préoccupation à l'économie. On nous accuse ici des rébellions. Il y a d'autres détenus ou prévenus au Bazala qui a. Bah, on doit accuser tout ce que le docteur Tirakabango, docteur Abamo Nabakacho. Pour défendre cela, nos matériels vont le prouver. Si nos matériels ont été saisis par l'État congolais, qu'ils nous le rendent, que nous puissions prouver cela. Dans toute la maison, là, il y a un téléphone. Téléphone Oyo, paquet à saisir, et où tu n'es pas la binoté, où tu n'es pas prévenu, Kabamba. Okay. Il y a le matériel didactique et consort qui s'est situé au bureau d'où l'on a récupéré le drone qu'il y a ici, qui n'est pas même un drone militaire. Je peux prouver par rapport au matériel, là, s'il se trouve que les éléments qui sont cachés là-bas, qui nous chargent ici les rébellions, que Bisotobomba Bona Bakacho, on écarte des membres et ils sont bien identifiés par le mouvement Fort du Progrès par IDPS. J'allais signifier aussi ceci. Oui. Dans mon PV, lorsque Nabandeko, avec toute la civilité, au Babandeko menacé Bisot, après les tortures, il y a l'État. J'ai dit aux messieurs qui étaient au Abanda Moussambisangaï, je suis combattant Force du Progrès par IDPS. Et lui, à ma grande surprise, Azoï Sanga, le rôle à IDPS. Et pourquoi? J'en sais rien. Il faut demander cette question-là à vos procureurs, c'est vos OPJ. Je ne sais pas. Très bien. C'est... Merci. Maître, attendez, d'abord, on continue à interroger le prévenu. Non, s'il vous plaît, attendez, on va écouter vos mots. On va poursuivre, passer le micro. D'accord, vos assistants dans l'avocat, ils sont des grands procéduriers, ils savent quoi faire pour récupérer le matériel. D'accord. Moussembe Donatien, vous êtes membre du mouvement Force du Progrès, c'est ça? Oui. Vous êtes là depuis quand? Dans le mouvement 4 ans. 4 ans. Rôle dans les années. Membre 5 ans. La date à le 31 juillet. Vous allez qui fait la descente. D'accord. Kazari Poza. Rôle Nino Joaï na descente. Tant que c'est sur la photo, tout le monde est au Zoom, le président, tout le monde est au président, il est au Zoom, tout le monde est au Zoom, il 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 est au Zoom,
Joël. Oui, Nando Moto Joël. On a bien dit dans ma campagne.
Ok, passez le micro à la nuit, combo. Oui, on a bien dit que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Oui, je suis un peu de temps. Passez le micro, combo. Oui. Nazan a réglé ma compte. Na procès au Yobane Bandeli, toujours au matin à s'exprimer. Ba juge au Bazaki, Boso, Awa Bazaki, plus préoccupé là-bas, partout et Zalaki à ce qui messieurs Oazaki Awa, na le soi-disant partout et Zakia. Bienvenue, on dit comment on a dit Mon Kendi Kashi. Ok. Tribunal des 8 ans où nous avons pour nous faire sa vie dans le monde. Pour le ok, je vais comprendre. Il y a un canal dans le monde pour le tribunal. Pour le monde, il faut tribunal à tenir. Le bini n'a pas qu'à moi. Comment tu as commenté à te répondre à la moko dans la charge du ministère public à Tchernobyl. Je vais vous charger. Le colo bateau est là. Parce que pour preuve, Bazoa qui s'est mis en rébellion, le matériel militaire, Bazoa qui s'est mis en assassinat, ok, n'a pas dit que je suis mort, je suis mort, et puis, il y a une fondation ici où il y a 35 000 $, Jeannette il y a 40 000 $. Moi, je ne suis pas payé. Je devrais toujours habiter à ici où avec les 35 000 $. Mais je ne serais pas là si je l'avais eu. Ok. Le tribunal a suivi votre réponse. Oui, combo. Petit qui s'assume. Oui, là-bas. En tout cas, dans ma campagne, nous sommes fondés du show. Voilà. Et ça, nous allons les cours. Oui, prévenu, nous allons les cours. De ces groupes Force du Progrès, installés au niveau des CIRO numéro 1. Monsieur le Président, tous les prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs. Nous insistons que tous les prévenus, membres de Force de Progrès et autres, sont poursuivis pour association des malfaiteurs. Mais maintenant, Monsieur le Président, outre l'association des malfaiteurs, nous avons retenu l'infraction des destructions méchantes. Nous avons détenu et retenu l'infraction, entre autres, par rapport au fait de vol. Et là, ce sont des infractions qui vont être retenues à charge des personnes qui ont été effectivement sur le terrain et qui ont effectivement participé à la commission de ces différentes infractions telles que nous les disons. Mais tous sont poursuivis pour association des malfaiteurs. Le tribunal vous remercie.